Bonjour et bienvenue dans les 4V, Geneviève Dariosec. Bonjour. Il y aura tout à l'heure une conférence sur le handicap, la sixième à l'Élysée. Sujet ô combien important, car privé de fait de certains droits, de certains accès, les personnes handicapées se retrouvent bien souvent traitées comme des citoyens de seconde zone dans notre pays. Sous tous les gouvernements, sous tous les présidents, de toutes les couleurs politiques, de gauche, de droite ou d'ailleurs, c'est toujours très bien fait ce genre de conférence. C'est plein de bonnes intentions, qui sont sincères, mais qui trop souvent ne se traduisent pas dans le quotidien des personnes handicapées. Moi j'ai une question toute simple pour commencer. Est-ce qu'on est sûr que le palais de l'Élysée est accessible aux personnes handicapées? Oui, bien sûr, il a été rendu accessible pour cette conférence nationale du handicap avec des aménagements simples qui sont mis en œuvre chaque fois qu'il y a des grandes manifestations à l'Élysée. Mais ça veut dire que si demain nous élisons un président, une présidente en fauteuil roulant, il pourra avoir accès au bureau du président à l'étage ou pas? Écoutez, je ne suis pas suffisamment au courant de la géographie parfaite de l'Élysée, des plans de l'Élysée, ce que je sais, c'est que le rez-de-chaussée sera accessible. Bon, c'est déjà ça, c'est déjà mieux que rien. Parce que l'accessibilité, Geneviève Dariosec, c'est la base de tout. La loi du 11 février 2005, ça ne date pas d'hier, donnait 10 ans pour que ce principe de l'accessibilité pour tous soit accompli. Là, on a déjà presque 10 ans de retard sur la date limite. Le Conseil de l'Europe a reconnu la violation des droits des personnes handicapées par l'État français. Il estime que notre pays ne respecte pas leurs droits fondamentaux. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes d'accord avec ça? Est-ce qu'aujourd'hui, on a encore énormément de chemin à faire? Je suis d'accord sur le fait que nous avons du retard sur les sujets d'accessibilité. Dès 2014, il y a eu préconisations données aux communes en particulier, données également aux privés qui reçoivent du public, les établissements recevant du public, les commerces, les restaurants, les cabinets médicaux, etc., de mettre en accessibilité tous leurs espaces publics et tous les cet environnement recevant du public. La date limite est fin 2024 pour mettre en accessibilité. Et je pense que nous avons du retard. Alors, il y a eu le Covid, mais ça n'explique pas tout. Et vous avez raison, les sujets d'accessibilité, il n'y a pas que l'État. L'État est responsable de ces infrastructures, mais nous avons aussi les transporteurs, nous avons aussi donc les privés, nous avons également les communes. Donc, tout un panel de responsables qui doivent aller vers l'accessibilité complète pour pouvoir avancer mieux. On va prendre la journée type. On commence par prendre les transports le matin. C'est souvent une tannée, je le disais tout à l'heure, à Paris. On sait que le métro est ancien. 3% de stations qui sont accessibles à 500 jours des Jeux paralympiques. Ça fait pas beaucoup. Sur le point des transports, au-delà même du métro parisien, de quelle manière allez-vous prendre le taureau par les cornes? Qu'est-ce qui va changer? Qu'est-ce que vous allez annoncer? Par exemple, nous avons des gares nationales. Toutes les gares nationales doivent être accessibles. C'est pas le cas aujourd'hui. Il y en a près de 160 à peu près. La moitié sont aujourd'hui accessibles, totalement. Ouais. Alors accessibles, ce sont les quais, c'est l'accès aux quais, mais c'est aussi la billetterie, c'est aussi l'accessibilité sonore, visuelle, pour tous les types de déficits. Parce qu'il n'y a pas que des déficits moteurs. Bien sûr. Il y a aussi des déficits sensitifs. Et l'objectif pour nous, c'est que toutes les gares nationales soient mises en accessibilité complète en 2027. Et cela sera traduit. Donc dans 3 ans, il y aura plus, 4 ans, il n'y aura plus de problème d'accès dans les gares en France, dans les grandes gares, nulle part. Ni pour arriver au quai, ni pour monter dans le train, ni pour accéder nulle part. Ce sera fini, ça? Absolument. Ça coûtera combien? Écoutez, il y a une enveloppe qui est prévue, qui avait été annoncée d'ailleurs de 400 millions d'euros, qui va être utilisée pour cela. Et je crois que en fait, l'accessibilité, ce n'est pas utile que pour les personnes en situation de handicap. Bien sûr. Moteur, c'est utile pour toute la population. Et une population avec des seniors, avec les parents avec des poussettes. Ouais. Donc, ça rend en fait la vie plus facile à tout le monde. Donc, c'est un investissement pour une vie plus agréable et plus facile. Autre sujet problématique, c'est l'école. Alors, on a progressé. Il y a 430 000 élèves handicapés scolarisés en 2023. Je crois qu'il y en avait 320 000 en 2017, donc presque 100 000 de plus aujourd'hui. Combien reste sur la touche aujourd'hui? Il n'y a pas. Il y a des enfants qui sont aussi dans les établissements médico-sociaux, à peu près 150 000, mais ils ne sont pas sur la touche. Ils sont aussi scolarisés dans les établissements médico-sociaux. Ce qui est la critique qui est faite, c'est qu'il y a des scolarités imparfaites, c'est-à-dire des enfants qui n'ont que quelques heures d'école, voire une demi-journée par semaine pour certains, parce que l'accueil ne peut pas être réalisé dans les meilleures conditions. Alors là-dessus, est-ce qu'il y a des choses qui vont changer? Nous allons continuer à mettre le paquet sur l'école, parce que
Pour moi, c'est un droit fondamental. Les enfants de la République doivent aller à l'école de la République, quelles que soient leurs différences. Alors, mettre le paquet, ça veut dire quoi, Geneviève Darrieussecq? Mettre le paquet, ça veut dire continuer à travailler pour une école inclusive qui soit, qui prenne mieux en charge les enfants. Et ce qu'il manque aujourd'hui dans l'école, il y a bien entendu les professeurs qui sont formés, il y a les aides, les AESH qui entourent les enfants, mais il nous manque... C'est toujours très compliqué pour les parents, les AESH. Il nous manque, parce qu'il nous manque aussi un chaînon qui devra être un peu plus présent, ce sont tous les professionnels du médico-social. Et le médico-social, ce sont des psychomotriciens, ce sont des éducateurs spécialisés, ce sont des ergothérapeutes, ce sont... Et alors, vous allez les faire rentrer dans l'école ? Ils pourront rentrer dans l'école pour aider la communauté éducative à prendre en charge ses enfants et mieux accompagner ses enfants. C'est-à-dire qu'ils seront au quotidien à l'école ? Alors, certains pourront être... C'est déjà le cas. Ouais. Dans certaines unités autistes, par exemple, il y a des professionnels du médico-social en permanence dans les écoles. Et d'ailleurs, ça... Et ça, c'est dans les établissements spécialisés, mais dans tous les établissements. Dans les écoles maternelles ou primaires, il y a des unités pour accueillir des enfants autistes où des professionnels du médico-social sont présents. D'accord. Et d'ailleurs, cela rejaillit un petit peu. Leur expérience permet de sécuriser un petit peu tout l'écosystème de l'école pour tous les enfants, et je trouve que c'est un bon moyen. Mais ces professionnels, ils vont être recrutés par l'éducation nationale ou par un ministère, oui. Ou ils viendront en complément de leur activité Ils viendront, ce sont des équipes dédiées qui pourront intervenir dans les écoles pour aider les enseignants et les professionnels qui sont dans les écoles à accompagner ces enfants de la meilleure des façons. Ils seront combien et ce sera à partir de quand ? Combien nous avons beaucoup d'écoles, de collèges et de lycées dans notre pays. Ce qui est certain, c'est que ces équipes seront déployées progressivement. Nous allons commencer dans certains départements et le déployer ensuite. L'objectif étant qu'en 2027, dans 3 ans, nous ayons pu déployer cela dans une majorité d'écoles. À chaque âge de la vie, son problème quand on est handicapé, Madame la Ministre, la recherche d'un travail n'est pas le moindre et l'administration ne fait rien pour leur simplifier la vie. Aujourd'hui, si une personne travaille plus qu'un mi-temps, elle perd son allocation adulte handicapé. Est-ce que vous trouvez ça juste ? Est-ce que ça va changer ? Non, je ne trouve pas ça, c'est même ridicule. Il faut que nous... C'est 950 euros, l'allocation adulte handicapé. Il faut inciter à reprendre le travail, inciter à travailler. Et vous savez, le travail, c'est un objectif pour les personnes qui vivent avec un handicap. Ouais. Et d'ailleurs, nous avons eu d'excellents résultats ces dernières années, puisque le taux de chômage a nettement diminué. On est passé de 19% à 13%. C'est quasiment quand même le double de la population globale. Mais c'est le double de la population. Donc notre objectif, c'est le plein emploi aussi pour les personnes en situation de handicap. Mais sur cette question de l'allocation adulte handicapé et du travail à mi-temps, est-ce que vous allez revenir là-dessus ? Et sur cette question-là, il faut effectivement que nous favorisions, incitions à reprendre le travail dans de bonnes conditions et on doit gagner plus d'argent quand on travaille que quand on ne travaille pas. Mais est-ce que demain, pardon, je vous repose ma question, quand on travaille à mi-temps, on pourra garder son allocation adulte handicapé, sachant que ce sont des gens qui ne roulent pas sur l'or ? Je pense que oui, le président de la République annoncera cela cet après-midi, je l'espère. Nous pourrons agir dans ce sens. Ça fait partie quand même des évolutions qui sont, je vais dire, logiques et évidentes qu'il faut porter. Parmi les évidences aussi, il n'y a pas de bloc opératoire adapté au handicap dans tous les hôpitaux, dans tous les CHU de la ville, même pas dans toutes les régions. Est-ce que là-dessus, il y a un effort qui va être fait ou pas ? Oui, l'accès à la santé est une priorité. Pour le ministre de la Santé également, c'est une priorité. Aujourd'hui, ce droit à l'accès aux soins n'est pas parfaitement respecté. Donc nous devons multiplier les handi-blocs, c'est-à-dire des blocs opératoires en capacité de prendre en charge... C'est-à-dire qu'il y en aura quoi dans tous les CHU, dans tous les départements, dans toutes les régions, c'est quoi ? L'idée d'en avoir un par région. Un par région. Et que nous ayons dans chaque département les capacités à accueillir des personnes en situation de handicap. Beaucoup de handicaps sont des handicaps invisibles, 80%. Qui nécessitent des prises en charge particulières, qui nécessitent des consultations plus longues, qui nécessitent de préparer les interventions, donc qui nécessitent des formations des professionnels de santé. Et nous avons véritablement
la volonté d'avancer dans ce domaine-là. Et le Handibloc, ce sera 2027 aussi, c'est la même échéance? Oui, les échéances que nous donnons avec cette conférence nationale du handicap, ce sera 2028. Nous ferons un plan pluriannuel sur 5 ans. D'accord. Et je pense que c'est ce qu'attendent les associations. Elles ont raison. Il nous faut. Elles seront là, les associations, ou pas? Bien sûr qu'elles seront là. Elles seront là cet après-midi, parce qu'elles ont menacé de boycotter la réunion, elles n'ont dit pas assez de concertation. Le collectif handicap, il sera là cet après-midi? Alors, le collectif handicap est composé d'une cinquantaine d'associations, ouais, dont une très grande partie sera présente cet après-midi. Nous avons travaillé depuis 6 mois. Il y a eu des groupes de travail, 500 personnes qui se sont concertées. Tout ce qui va être annoncé aujourd'hui est le fruit de cette concertation qui a été rigoureuse, comme toujours dans le handicap, puisque c'est une des politiques qui, depuis toujours, se construit avec les personnes concernées et les associations. Ben merci beaucoup. Je termine en disant qu'il y a quelques jours, la Défenseure des droits a noté une hausse de réclamations en matière de lutte contre les discriminations. Ce qui a fait dire à l'ancien des Nuls, les producteurs Dominique Farrugia sur Instagram, ceci: le handicap reste le premier motif des discriminations en France depuis 6 ans. On espère que ça pourra changer. Merci à vous d'être venu, Madame la Ministre, merci et bonne beaucoup. Journée. Au revoir. Merci.